Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo recette spéciale automne. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, donc, je vais faire une quiche au butternut. Je m'attaque à l'épluchage. C'est un légume assez coriace. Une fois l'épluchage terminé, je vais couper les extrémités, la fendre en deux et enlever tous les petits pépins. Je vais couper une moitié en tout petits morceaux et je mettrai l'autre moitié au congélateur pour une autre recette, bien sûr. Une fois bien coupé, je vais rincer tous les petits morceaux et je vais les faire cuire 10 minutes au cookéo, en vapeur. Vous pouvez très bien le faire cuire dans de l'eau, c'est pareil. Allez, c'est parti pour 10 minutes de cuisson. Pour le dessert, je vais faire un crumble aux poires et à la pomme. Je vais venir éplucher mes fruits. Thank you.
puis je vais les couper en petits morceaux. Une fois mes fruits bien rincés, je les mets dans une sauteuse. J'y rajoute les morceaux de poire. Je viens y rajouter un petit fond d'eau pour éviter que cela attache. Un peu de sucre à lit. Je mets 3 cuillères à soupe à peu près. Je rajoute un petit peu d'arôme de vanille. Et je laisse mijoter une dizaine de minutes à feu doux. Je vais venir préparer le crumble. Je vais mettre 100 g de farine complète. Un petit peu d'édulcorant, 2 cuillères à soupe et 80 g de skyr. Vous pouvez aussi le faire avec du fromage blanc.
je mélange bien. Et il ne faudra pas avoir peur de mettre la main à la pâte. C'est une recette de Ophélie, je ne dirai pas son nom de famille. Elle se reconnaîtra, elle fait partie de mon groupe Facebook. Je lui fais des gros bisous. On essaye au maximum de faire des tout petits bouts pour que ce soit granuleux. Ma compote de pommes et de poires est en train de cuire. Je vais y rajouter un petit peu de cannelle. Et une compote pomme-banane sans sucre ajouté. Je laisse mijoter 4 à 5 minutes, puis j'éteins le feu. Dans un plat à gratin, je viens disposer la préparation de pommes et poires. Je viens rajouter le crumble. J'essaye de l'émietter au maximum. Au préalable, bien sûr, j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés. Et c'est parti pour 30 minutes au four. Et voilà le crumble tout juste sorti du four. Ça sent très bon dans la cuisine. On va préparer la pâte pour la quiche. Il vous faudra 40 g de farine, 3 œufs, un peu de gruyère râpée, des allumettes de bacon fumées, 2 carrés frais ail et fines herbes, 250 ml de lait demi-écrémé. Je mélange tous les ingrédients et bien sûr je fais attention à la petite coquille qui s'est sauvée. Bien sûr, j'avais oublié un ingrédient. C'est la levure chimique. Je vais y rajouter la moitié d'un sachet.
J'assaisonne le tout avec un peu de sel et un peu de poivre. Je rajoute les carrés frais, ail et fines herbes, 0%. Je vais y rajouter entre 15 et 20 g de fromage râpé. Dans un plat allant au four, je viens y rajouter du papier de cuisson. Je viens y déposer les morceaux de butternut que j'avais fait cuire et que j'ai laissé refroidir. Et je rajoute 100 g d'allumettes de bacon fumé. Je viens y verser la préparation. J'ai fait préchauffer mon four au préalable, comme d'habitude, 180 degrés. Et j'enfourne pendant 40 minutes, 180 degrés selon les fours, à surveiller bien sûr. Et voilà une quiche sans pâte, bien belle, bien dorée et qui sent énormément bon. Je viens m'en couper une belle part. De très belles couleurs automnales. Miam miam! Je viens me préparer mon dessert, un beau crumble bien croustillant avec des pommes et des poires bien fondantes en dessous. Et on pousse avec le doigt comme à la maison. Voilà un bon repas avec des belles couleurs automnales. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Vous pouvez partager, liker et me laisser un commentaire si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !